Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc de retour sur Assassin's Creed Valhalla. Donc j'avais mis un petit peu de temps sur Assassin's Creed Valhalla quand je jouais sur d'autres jeux. Donc j'ai fait un petit peu de retard par rapport à tous les autres youtubeurs sur l'histoire du DLC au siège de Paris. Donc là donc c'est donc parti donc pour la première vidéo. Je vous laisse avec le visionnage. Bon visionnage. C'est une bonne épée, ça. Il faut que ce banquet soit grandiose. Oui. C'est notre... ami. Mon nom est Eivor, mais apparemment, tu le sais déjà. Je suis Toka Sinrich d'Othir, et le franc ennuyeux qui m'accompagne est Pierre, mon conseiller. Nous sommes là au nom de Siegfried de Francie, guerrier de renom et chef des hommes du Nord qui vivent là-bas. Vous vous sentez déjà comme chez vous, on dirait. C'est grâce à vous tous. Vous avez fait un travail incroyable ici. Cette maison est un ajout approprié. Nous avons aussi apporté de Francie des plats au goût surprenant. Et si tu préfères la boisson, nous avons du vin épicé. C'est très généreux. D'aucuns diraient trop généreux. Considère cela comme un gage de bonne volonté de la part de mon oncle Siegfried. C'est d'un clan à un autre. Le sang coulerait à flot si l'on apprenait que j'ai refusé un banquet, alors nous l'acceptons. Parfait, tu nous fais honneur. Ravenstorp me rappelle la Francie d'autrefois. J'aurais donc à cœur d'y revenir souvent. Et nous en serions ravis. Mais je gage que ces cadeaux n'en sont pas vraiment. J'aimerais savoir ce que tu attends de moi. Ta réputation de grande sagesse n'est pas usurpée. Tu pourrais me l'enseigner autour de quelques shops. Qu'en dis-tu? Alors, voyons si ces mets de Francie méritent leur renom. Oui, oui, mangeaillons. M'étonnera toujours. Vous autres du Nord battez peut-être les Francs au combat, mais quand il s'agit de boire, nous sommes invaincus. J'aime bien le vin. J'aime bien le vin, je préfère la bière. Tout me convient. Je vais prendre ce point-là. Tout ce qui m'offre le baiser de l'ivresse est le bienvenu. Alors, au marais, les bonnes manières. Au fil de nos voyages, combats et pillages en Angleterre, j'ai amassé de belles épées. Celle-ci, je l'ai gagnée en home gang contre deux frères Rousteau d'Estanglis. Elle ne fait pas plus mal qu'une branche de sureau, mais c'est de loin ma préférée. Ainsi, tu as arpenté toute cette contrée avant d'arriver à Ravenstorp. Et dans quel but exactement? J'aimerais amener ton clan ainsi que d'autres à prendre part à de glorieuses attaques le long de la Seine. Et en as-tu parlé à quelqu'un d'autre? Oh oui. Au Jarl Heming, à Guthrum, et même à Halfdan. J'ai pour dessein de mettre Paris à sac, ce qui emplirait nos coffres de telles richesses, dépassant l'imagination de quiconque en Angleterre. Laisse-moi deviner combien de Jarls seront prêts à rejoindre ton siège en Francie. Aucun. La valeur du butin que nous allons prendre dépasse pourtant leur entendement. Que désires-tu réellement, Roca? Et dit est la stricte vérité. Mais il y a surtout autre chose. Un nouveau pouvoir se fait jour en Francie. Quel genre de pouvoir? Les royaumes francs se sont unis sous la direction d'un seul et même roi. Charles le Gros. Et fort de ses nouvelles troupes, ce Charles a commencé à s'attaquer lentement, mais sûrement, à nos villages nordiques. Il a tué mon père. Et il a rasé mon village. Je suis désolé pour ton père et ton village.
mais nous avons nos... Avec Charles le Gros au pouvoir, tes problèmes ne feront que croître. Une fois sa campagne en Francie achevée, il viendra en Angleterre. Et Charles s'occupera de ton clan et de toi. Ses armées sont chaque jour plus nombreuses. Je parle de vrais soldats, de cavaliers. Pas de simples paysans saxons comme vous avez ici. Si le clan du Grand Corbeau décidait de t'aider, qu'attendrait... Notre chef Siegfried, il se prépare à assiéger Paris pour amener les Francs à cesser de s'en prendre aux gens du Nord. Et ce sera l'occasion pour nos navires de se remplir de trésors. Le choix s'impose. Les éclaireurs confirment les dires de Toka et des siens. Mais jusqu'à présent, je ne voyais pas de raison d'y mêler notre clan. Tu en vois une à présent? Si ce fou de roi Charles a des vues sur l'Angleterre, nous devrions agir. Le Siegfried dont elle a parlé, il rassemble les gens du Nord. Se joindre à lui serait l'occasion de repousser ce nouveau roi. Ou je pourrais rencontrer Charles en personne, et le tuer s'il décline mon offre. L'affaire ne se résume pas à un roi. Si on le tue, un autre le remplacera. Et s'il meurt de la main d'une nordique d'Angleterre, cela précipitera la venue des Francs. Alors je prendrai garde à qui je tue et à qui je m'allie en Francie. Un roi avisé serait le meilleur moyen d'assurer la sécurité de Ravensthorpe. Allez, montre-moi donc l'épée. J'aimerais voir la belle ouvrage. Non, je l'ai volée, alors c'est à moi qu'elle m'appartient. D'accord. Si tu ne veux pas me la montrer, je vais devoir te la prendre. Prépare-toi, Pierre. Je te défie en homme. Ça suffit. Toka, tu es venu chercher de l'aide face à cette nouvelle menace, Franck. Et le clan du Grand Corbeau te la fournira. C'est vrai? Magnifique! Je te promets que tu ne le regretteras pas. Une fois tes préparatifs terminés, va voir Pierre et nous rejoindrons la Francie. Merci. Ce Pierre, je le trouve louche. Dites-moi ce que vous en pensez, mes amis qui suivent ma chaîne, dans les commentaires. À la bière. Toka m'a dit d'aller voir Pierre quand je serai prête à gagner la Francie. Allons voir Pierre. Ami des loups, j'espère que tu as moins mal au crâne que moi. Quelle nuit. Mais il faut vite partir pour la Francie. Je vais donc couper la vidéo ici, les amis. Et je vous dis donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Portez-vous bien. Tchuss !